Ah, et en face, Lucian D4, 75% de winrate. Qui se meurt en duo avec l'anami, qui est platine. J'ai un Twitch. 5 games de Twitch. Winrate négatif. En diamant. Et 2 smurfs en face. Winnable. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je fasse ça parce que on va jamais avoir le push au bot et je vois pas trop comment je vais pouvoir utiliser le trinket rouge correctement, mais bon. Il veut pas d'aide? Les potes tournent, mais on n'a pas de heal. Ils ont Nami. T'es pas ward, hein, je pense. Quoique, il y a Kha'Zix. Voilà, juste à lui mettre un E, il me dash in, je suis mort. Hein. Il n'a pas de Q donc ça va. Ils vont me dive. Je pense faut push hein. Il faut qu'on faut repush une. Il a pas envie de last hit ? Il a raté. On va faire ça, hein. Ça se présente bien comme gamin, ouais. Jungle qui meurt sur le move, le Twitch qui suicide là sans aucune... Enfin, non mais... En fait, le fait que je sois support et qu'on soit avec un autofill ADC, c'est vraiment chiant. Comment ils ont réussi à faire freeze la wave alors qu'elle était sous leur tour là?
Nice. An enemy has been slain. Ouais. Genders are more easily discerned by the pitch of their cry. On va faire ça du coup. Et j'imagine c'est l'Uden, hein. Il est mort de Lucian Nami, je pense. Enlever la pink est là. Elle en est une dans son intérieur. On peut se suicider. Fait perdre beaucoup de temps, ouais. When bisected, neither half grows back. Composant chapter, j'imagine. Le fait qu'on arrive à être devant, ou en tout cas plus ou moins even avec Lucian Nami, c'est quelque chose. Hein. Mais bon, en même temps, le niveau en support, c'est ridicule. La Nami a trop de QI, genre. Ah, le Lucian aussi, hein, ouais, le fait qu'il aille pas sur moi et qu'il aille sur Twitch, alors que si il me tue, moi. C'est finito. C'est un peu spécial. Thank you.
Oh, je fais mal, hein. Je fais plus mal que si j'étais mid, là. Je vais 1v1 de Lucian. Non troll. Ah, la Gale Force. J'ai pas d'exhaust. Pas sûr. C'est dommage parce que si j'avais eu mon flash une seconde plus tôt, je serais pas mort. Qu'est-ce qu'il branle ? Qu'est-ce qu'il est nul, bordel ? Il meurt ? Pas. Je pensais que le coup de tour ferait un peu plus Q-spell dans 3. Franchement, si on a un main ADC cette game, je pense qu'elle est FF pour eux. Mais le Twitch est faible. On prend du farm, hein, c'est fine. Pas pourquoi il vient pas avant, parce que je serais pas mort, hein. Il veut pas jouer le Shaco. Le problème, c'est vraiment que notre ADC, c'est un clown, hein. En fait, cette game, tout le monde gagne. Si l'autre est main ADC et qu'il joue correctement, on a win, quoi. Ignite, bien joué. Crispel. Clean. Il a l'air fort, le Panthéon. Enfin, fort. Il a bien joué, quoi.
il me voit quelque part, je trinquais trop, non? Je comprends pas. Ouais, j'arriverai pas à prendre ça. J'aimerais bien avoir l'Uden. Ils sont deux là-bas. Je sais pas où est Kha'Zix. Ok. En fait, de base, je sais même pas pourquoi il erre comme ça avec sa Vex, parce que si le mec a le jump, il peut jamais le toucher. Enfin, il est mort aussi. En fait, le fait qu'il flash in et qu'il puisse me tuer comme ça sans mourir en échange, ça me pète vraiment les couilles. Hein. Parce que je vais forcément attirer le Kha'Zix en restant, tu vois. Ah, c'est dommage. Ah, je peux pas faire check là-bas. Je suis obligé de garder de la vision autour du mid, je pense. C'était pas Ward ici. Je pense que ça l'est toujours pas. Normalement il peut pas perdre, hein. Le mec a pas de tabi, il a ses deux subodeurs, même level 9 il peut pas perdre je pense. Il a mis son Z dans le vent. C'est Ragondin IRL, genre c'est quoi cette merde? Cancerlo, hein. Kha'Zix c'est fait, ça va être dur. Si elle touche un spell, elle meurt, hein. C'est un truc de fou, les gars, que je fais en vrai. Ah, le Twitch c'est vraiment un spécimen. Hein.
What else can I discover? Rampage. Bah ouais, je peux certainement... Solo win. Et non, ça va être duré Kha'Zix. J'aime bien l'idée de faire ça. Je pense que l'AP que je gagne avec l'item support compense le fait que j'ai pas d'AP avec le... Waouh. Le fait que j'ai pas d'AP avec... Horizon, mais... Y'a pas d'ignite. En vrai, l'avec c'est très très mauvaise. Hein. Odd creatures of blood and flesh. Comment ils m'ont vu là? Ok. Ah, le problème de cette game, c'est Vex et Twitch. Ils sont trop nuls. Mais bon. On va dire qu'on compense la Vex. Le Twitch, non. Mais il a une exhaust, donc il peut être utile. En vrai, le fait que le Kha'Zix fasse pas de... Hexdrinker cette game, pour l'instant, ça nous met très très bien.
1100 ça coûte. Nice exhaust. Dommage. En train de se suicider en pernache. Bah, je pense que là, je vais pas acheter une méjaille contre la comp en face, parce qu'il faut un rabat, non, mais... S'ils veulent pas arrêter d'être nuls, ça va être dur de gagner, hein, nos trolls. Hein. Avant qu'il y ait le buff Nashor sur eux... Il fait toujours pas X-Drinker, il a une Death Dance. Elle est encore morte. Il arrive plus à gagner. Si ça. Avec l'Ignite. Ah, je me demande si je faut pas que je zonia. Hein. Mais on va certainement la perdre. Genre on a pas de mid quoi. Il se prend 3 levels. Et il est perma mort. Genre il arrête pas de mourir. Il sait pas jouer. Après, depuis tout à l'heure, je force notre team à jouer les drakes, donc... Ça reste un 50-50, hein. Trop de pink. Elle a réussi à rater son air là avec ça.
aurait peut-être pu aller mid, je pense. Mais je sais pas. Imaginez ce fight si elle touche son R, juste elle touche le R. Elle aurait reset 5 fois, elle fait un penta. Le mec est trop nul, hein. Il a quand même gagné le fight, hein. C'est un truc de fou. C'est même pas méchant, mais c'est juste fact, hein. Elle est nulle à chier, là, avec ça. J'ai le debuff. Très bien. Attention, je suis premier au gold de la team, non? Oh, derrière Shaco, peut-être. Et Panthéon aussi, en vrai. Mais je dois être pas mal, hein. C'est vrai que je passe 16. Le. Elle l'a pas touché? Ah non, ok, il a un Age of Night. My presence causes them distress. Je peux pas faire ça. J'ai un peu tué ma team là. My bad. J'ai mal joué là. Ils m'ont vu, enfin il m'a vu passer là. Après bon, je sais pas, le Panthéon s'est suicidé dans leur base. Faut juste jouer front to back et que tuer le Kha'Zix, hein. Sinon on va perdre. Le reste en face est irrelevant, hein. J'ai pas le chat d'activer, je vais pas le réactiver pour leur dire ça, faut juste... Ils vont encore avoir un free Nash. Je ping le Drake, on s'en fout du Nash. Elle a raté son R encore. Elle est morte. Elle va même pas zonir. On a perdu la game, ils finissent. Cancel, je suis mort. Enfin, je suis pas mort, mais je peux pas back, quoi. On perd pas. Ma team respawn quand même. Ok. On gagnera pas, je pense. Le midlaner est trop nul. Il a même pas 10k damage dans la game, je pense. Enfin, je... 50-50, hein.
Ils vont laisser le dragon. J'arrive même pas à dépêcher les waves, frère. Oh. Ouais. On a perdu du coup. 0,5 secondes. Et il est mort. Il a un GA de toute façon. Elle a le cours dans 5 personnes. Prends la wave, la wave, la wave. Juste tape la wave, putain. On gagne pas ces games là, je vois pas trop. Ah ouais, c'est incroyable, hein. Dika damage? 20k et dernier de la game. Enfin, de la team plutôt. Thank you for your contribution. Après, lui était pas beaucoup mieux. Hein. Je joue avec des D1. Je vois pas ce que je peux faire en même. Un Zonia peut-être? Pour Kha'Zix? Mais en même temps, si je fais un Zonia, bah je peux pas faire ce que je fais dans la game quoi. Le niveau des 2000 laners, c'est quelque chose. Hein. Le problème, c'est que le lot en face, c'est Nami, quoi. Nous, c'est notre mid. De toute façon, si je tag support toutes les games, vu les lots auxquels on est, honnêtement, je pense que le niveau des mecs en bot lane, en support, est... Genre, c'est free win, hein. Mais bon. Encore sup, là, du coup, ça a gardé mes rôles. Ouais. Mais bon, c'est le cause, quoi. Genre là, en vrai, si la Vex touche juste un ulti, parce qu'elle elle a pas touché un ult en mid-game, hein. Pas un seul. Si elle touche un ulti, on aurait gagné cette game, je pense. Ah, parce que la game a suicidé à pas mettre de dégâts.